Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais faire une kika, un gâteau des abricots. Kika avec des mishmish. Pour les ingrédients des gâteaux avec des abricots, de la farine. 160 g de farine, 9 g de la levure chimique, 9 g de la farine de halwa, 160 g de la farine, 50 ml de l'huile, 50 g ou 50 ml de l'huile. L'huile tournesol. 50 g de zit, zit le maïda. Un yaourt nature de 125 g. 125 g. Arôme de citron, une goutte. Deux œufs. La taille moyenne. جوج حبات بيض الحجم متوسط. 65 غرام دو سكر. 65 غرام نتاع السكر. سكر حبيبات. ويت أبريكو. 8 حبات مشمش. Voilà, j'ai coupé les abricots à deux, tat, mishmish à la zouge. Dit une poêle ou le makla, un petit peu chouïen de sa zubda, un peu de beurre. Une cuillère à soupe de sucre, malqa kbira de sa sukr. J'ai chauffé le beurre avec du sucre. J'ai mis mes abricots pendant 5 minutes. 5 à 6 minutes. Le beurre, des œufs, du sucre. Je vais mélanger le sucre et les œufs. De l'huile, arôme de citron, yaourt, la farine et de la levure. Je vais mélanger ralette. Deux abricots que j'ai coupés en petits morceaux. Ça fait 9 abricots. De la pâte.
je vais les cuire dans la poêle. Je prends la poêle aluminium. Et je vais couvrir bien la manche de la poêle. J'ai allumé le four à 180. Je vais les laisser cuire pendant 30 minutes. Quand il sera doré, je le sors. Chaque fois, à 180. Je viens de dire ma pâte à gâteau. Je vais vous faire la tête. 30 دقيقة كيف تحمر تخرجها. فوالا جي بيان ميتر بابي الومنيوم باش ما تحرقش لا مانش دو لا كاسرول. فوالا الغاتو اللي كوي جي لي ليسي 32 مينوت 32 دقيقة الفور ان با اي اون او جالي مي الفور ان با اي اون او ا 180. Je mets un petit peu des amandes que j'ai fait dorer dans le four. Et un peu de confiture d'abricot. Mourabel mishmish. Et chouïen ta'allouz. J'ai passé le confiture. Et j'ai mis un peu des amandes pour décorer. J'ai mis un petit peu de sucre glace. Et b'saha wa raha. Et bon appétit. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore, bissaha ou raha, et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.